pas à Berlin. Je ne construirai pas ma haine sur le discours des autres. Il faut que notre parole soit dépouillée de tout mensonge. Il faut que notre parole soit la parole de l'Afrique, la parole de la vérité. L'histoire commença dans un marché. Et dans ce marché, il y avait une vendeuse d'arachides qui vendait paisiblement ses graines d'arachides. Elle disait tout le temps, je vends des cacahuètes, Le vieux Diola qui était devant a dit, oh, et dit, ah, voilà, prenez-le. Et depuis ce jour-là, toutes les chansons Diola, il n'y a pas une chanson Diola où il n'y a pas oh. De mes ressentiments cramés, de mes ressassements obsessionnels lourds. L'Afrique sans sa valeur me reste leader par intérim. Traité de sauvage pour ta blanche et barbarie, toutefois ma réseau flanche quand je regarde ceux qui complotent avec nos dictateurs et ces pays. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de chez moi. Moi je viens d'un village qui s'appelle Diomabana. Et Diomabana se trouve au cœur du Mandingue. L'enfant se retourne et regarde le papa. Panique générale dans la famille. Le papa comprend qu'il était dans une situation. Et l'enfant dit... Le père dit... Non. Le vautour revient jusqu'à ses oreilles pour chanter. Salomé, comme Salomé. Venir KPG, c'est parce que depuis tant d'années, je le connais. Il se bat dans son pays pour que les droits soient respectés. Ce n'est pas une parole de conte pour égayer et gratiner les oreilles. C'est une parole qui reste dans les cœurs, mais qui fait réfléchir les ménages. Oui, il est fils de forgeron. Et si, en 2007, loin de notre Afrique, à Copenhague, nous étions pour représenter l'Afrique, Africa Africa, c'est parce qu'il avait formé des enfants dans son village et les avait fait venir.